think most of us know him, his brother Freddy. He was around town and I told him, don't pass before blessing us with the word. I'm still preaching on a man call from God. Don't forget that. I hope you loved it. Did you love it? Amen. We're going to continue. There's much more in there. But I said, since he's passing by, let me not leave him like that. Amen. Amen. My precious brother, God bless you. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Et tout vous content d'être dans la maison de Dieu. Amen. Saint David pouvait dire, je suis dans la joie quand il me dit, allons dans la maison de Dieu. Amen. Et je crois qu'il y a des David ici dans la salle. Amen. Est-ce qu'il y a des David ici dans la salle? Amen. S'il y a des David, acclamons cette personne. Ce qui est écrit dans la Bible, ces écrits nous servent d'exemple de nos jours. Amen. Amen. Donc s'il y a eu un David dans la Bible qui était dans la joie quand on lui disait alors dans la maison de l'Éternel, ça veut dire qu'aussi dans la réalité, telle que nous sommes dans la maison, nous devons être contents quand on nous dit allons dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, notre temps, notre Père Céleste, donateur de Dieu excellent. C'est un privilège d'être ici, ô Dieu, ce matin, dans ta maison, ô Dieu, là où nous venons nous réconforter, Seigneur. Là où nous venons nous ressourcer, ô Dieu. Là où nous venons augmenter, Seigneur, la capacité de notre foi lorsque celle-ci est ébranlée. Dieu Tout-Puissant, donateur de tout don excellent. Je ne connais pas ce peuple, Seigneur, tel que toi-même tu le connais, Seigneur. Chacun est venu ici avec un désir profond dans son cœur. Je sais une chose, ô Père, le Dieu que nous allons prêcher ce matin, ô Dieu, connaît le désir de chacun et il répondra à toutes leurs demandes, Seigneur. Prends le contrôle de cette salle. Que toute atmosphère, ô Dieu, qui ne confesse pas le nom de l'Éternel, nous soit épargnée, ô Dieu. Nous nous abandonnons à toi, ô Dieu. Bénis ton peuple, Seigneur. Ouvre notre entendement spirituel au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Rapidement, le livre de Ésaïe au chapitre 40, verset 3. Le livre de Ésaïe au chapitre 40, verset 3. Ésaïe 40, verset 3. Dans le temps, je vais lire rapidement. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Amen. Amen. Alors que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole pour vous asseoir, nous voulons premièrement remercier la présence de notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Amen. Et aussi, j'aimerais remercier notre cher pasteur Joël pour m'avoir permis de me tenir devant vous et d'essayer un peu de parler de la part de notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vraiment le bénisse pour cette marque de confiance qu'il m'a octroyée ce matin. Et que Dieu aussi bénisse le peuple de Dieu qui est venu ici ce matin pour venir écouter la parole de Dieu. Je pense que ce n'est pas un homme que vous êtes venu voir, mais vous êtes venu écouter la parole de Dieu qui fortifie et qui édifie nos cœurs. Amen. Hier, j'étais chez un ami, on a passé de très 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 bons moments avec mon frère Gérard et sa chère épouse. Nous avions passé de très très bons moments, c'était vraiment très très bénéfique. Le temps a fait défaut, on voulait vraiment continuer de communier. Vous savez, nous vivons l'âge de la communion fraternelle, amen, où les enfants de Dieu sont censés se marier. Mais c'était vraiment des moments très très merveilleux. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que Dieu vous bénisse, je vous aime tous. Amen. Amen. Est-ce que vous m'aimez? Amen. Amen. Je vois mon fils, le bébé de Fred Neville, qui est là-bas aussi. Ça, c'est mon fils. Hein? Je vois qu'il grandit vite là. Amen. Je prie que Dieu puisse encore vous donner plus d'enfants. Amen. Amen, 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 amen. Alors. On ne va pas beaucoup mettre du temps aujourd'hui. Le sujet avec lequel on va essayer un peu de parler s'intitule « L'infaillibilité de la parole parlée de Dieu ».
L'infaillibilité de la parole parlée de Dieu. C'est un message que Frère Branham a prêché, je crois, en 1962, si je ne me trompe pas. Vous savez, quand vous prenez ce message sur l'infaillibilité de la parole de Dieu, il y a deux mots qui ont attiré mon attention. Ces deux mots, il s'agit du mot infaillibilité et l'autre mot, il s'agit de la parole. Donc, il y a l'infaillibilité d'un côté et de l'autre côté, il y a la parole. Alors, ces deux mots, infaillibilité et parole, parler, sont deux mots un peu complexes, à la fois très inhabituels aussi chez l'homme. Pourquoi inhabituel? Parce que généralement, il est difficile de trouver un homme infaillible. Amen. Il est difficile de voir un homme qui ne commet pas d'erreur. Il est difficile de voir un homme qui est comme ça, comme un seul qui n'a jamais commis d'erreur. Donc, raison pour laquelle c'est un monde complexe chez l'homme, parce que c'est difficile de voir un homme qui ne commet pas d'erreur. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Le mot parole parler, pourquoi aussi ce mot est complexe? Parce que c'est difficile aujourd'hui de voir. D'abord, pour commencer, l'auteur de la parole, ce n'est pas l'homme, mais c'est Dieu lui-même. Amen. Alors, vous voyez, si nous prenons la définition de ces deux mots, prenons d'abord la définition de l'infaillibilité. Qu'est-ce que l'infaillibilité? L'infaillibilité, c'est la qualité d'une personne, physique ou morale, qui ne commet aucune erreur. Amen. C'est la qualité d'une personne qui ne commet aucune erreur. Vous et moi, nous savons, il n'y a qu'une seule personne qui ne commet pas d'erreur, c'est Dieu. L'homme est sujet à des manquements. Amen. Alors, le mot de parole, c'est quoi? La parole, c'est une pensée, même qui est exprimée, et par la suite, elle devient réelle. Donc, avant qu'elle soit parole, elle était d'abord une pensée. Amen. Tel que je suis en train de parler, vous voyez, la parole est en train de sortir de ma bouche. Mais avant que je dise ce que je suis en train de dire, c'était déjà dans mes pensées. Amen. Si aujourd'hui, je veux dire bonjour à Frère Gérard, ça doit d'abord être dans ma pensée. Amen. Dès que je vois Frère Gérard, dans ma pensée, je me dis bonjour. Et dès que je le vois, je prononce le mot bonjour. Mais avant que ce soit le mot bonjour, c'était d'abord une pensée. Alors, Frère Branham a prêché ce message sur l'infaillibilité de la parole. En un mot, qu'est-ce qu'il voulait dire? Que la parole de Dieu ne faillit jamais. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Amen. Remarquez ceci. Avant que nous puissions parler sur l'infaillibilité de la parole de Dieu, nous devons d'abord savoir et connaître et chercher à savoir d'où Dieu tire son origine. Ce Dieu-là qui est infaillible, il vient d'où? Frère Branham était en train de prêcher une fois et un frère est venu. Il dit, Frère Branham, mais Dieu, quelle est son origine? D'où vient Dieu? Vous savez, aujourd'hui, il n'y a que les prophètes qui nous disent ou qui sont capables de nous dire et de nous montrer réellement l'origine de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que c'est auprès des prophètes que Dieu parle et montre ses secrets. La Bible confirme dans la Bible dans Amos chapitre 3, verset 6. Que dit la Bible? Sonne le ton de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante. Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit le Dieu? 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret. À qui? À ses serviteurs, les prophètes. Amen. Prenons encore une autre écriture dans Genèse 18, verset 16. La Bible dit, ces hommes se levaient pour partir et regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Verset 17. Alors l'Éternel dit, que serai-je à Abraham ce que je vais faire? Frère Branham dit, Abraham était le prophète. Ici, on a dit, est-ce que je vais cacher mon petit secret que j'ai à mon serviteur? Car il était prophète et il était censé savoir. Amen. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Amen. Donc, ces deux écritures dans Amos et dans Genèse nous prouvent que Dieu parle à ses serviteurs, les proches,
les prophètes pour leur révéler les secrets. Donc, raison pour laquelle nous allons consulter les prophètes pour nous dire d'où Dieu tire son origine. Nous allons consulter deux prophètes. Le premier, c'est Moïse, et ensuite, l'actuel prophète. Vous connaissez l'actuel prophète? Amen. Vous connaissez l'actuel prophète? Amen. Le frère Branham. Bien, comme dit Moïse, prenons Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. 2. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Amen. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Remarquez, Moïse nous parle de ce que Dieu était en train de faire au commencement. Là, il ne nous dit pas d'où Dieu tire son origine. Mais il nous dit seulement les fonctions que Dieu est en train d'exprimer. Là, il était le créateur. Amen. Moïse nous parle que Dieu était en train de créer dans le livre de la Genèse. En tant que prophète, Frère Branham a dit, un prophète a la capacité de rentrer dans le temps, de voir les choses que nous ne connaissons pas et revenir nous parler de ces choses. Amen. Moïse n'était pas au commencement. Mais comment il a su ces choses? Car Dieu l'a pris, l'a montré. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble avec moi? Amen. Moïse, en tant que prophète, Dieu l'a pris. Il a fait rentrer dans le temps et il pouvait voir ce que Dieu est en train de faire. Mais pourtant, il n'était pas là. Mais en tant que prophète, Dieu lui a montré cela et il a écrit le livre de la Genèse. Amen. Mais ici, Moïse, alléluia, il est resté limité. Il nous parle juste de ce que Dieu est en train de faire au commencement. Mais que dit Frère Branham? Donc, question et réponse sur la Genèse. Prêché en 1953, le 29 juillet, au paragraphe 24. Que dit Frère Branham? Reculons de 100 millions d'années, avant qu'il y ait même une étoile. Amen. Amen. Donc avant qu'il y ait une petite création. Branham dit quoi? La lune, ou quoi que ce soit de le monde, il y eut un temps où il n'y avait rien ici. Amen. Frère Branham dit, avant qu'il y ait l'existence de tout ce que vous voyez aujourd'hui, les arbres, les animaux, les montagnes. Frère Branham dit, il n'y avait absolument rien du tout. Il dit, tout n'était qu'éternité et perpétuité. Donc, il n'y avait que l'éternité partout. Et tout ce qui était perpétuité et éternité était Dieu. Amen. Voilà d'où ou comment était Dieu. Il dit, Frère Branham, que tout était éternité. Dans une autre brochure, il prend même l'exemple d'un espace. Il dit, c'était comme l'espace que vous voyez aujourd'hui. Cet espace-là était rempli de Dieu. Donc tout ça, c'était Dieu. Il n'avait pas encore de forme en ce moment-là. Frère Branham dit, c'était l'éternité. C'était la perpétuité. Avant qu'il y ait la création de toutes choses. Il dit maintenant, bon, paragraphe 27. Remarquez maintenant, il n'y a rien. Il n'y avait que le vide. Il n'y a pas de lumière, pas de ténèbres, rien. Il semble simplement qu'il n'y a rien. Il y a un grand être surnaturel. Amen. C'était le grand être surnaturel qui existait en lui-même. Il était seul en ce moment-là. Amen. Frère Branham parle de l'être surnaturel. Amen. Il dit, Jéhovah Dieu, qui remplissait tout l'espace, en tout lieu, en tout temps, il existait l'éternité en l'éternité. Il est le commencement de la création. Ça c'est Dieu. On ne peut rien voir, ni entendre. Il n'y avait pas de mouvement d'atome dans l'air. Rien, pas d'air. Et pourtant Dieu était là. Personne n'a jamais vu cela. Ça, c'est le Père. Il continue, toujours dans le même serment, question et réponse. Maintenant, paragraphe 33. Maintenant, retournons donc là en arrière, au moment de l'apparition de ce petit anneau. Très bien, on va dire, à un moment donné,
il y a quelque chose qui s'est commencé à se former. Il est dit qu'il y a une petite lumière qui commençait à se former. Frère Branham continue en disant, maintenant, nous ne voyons encore rien, mais juste avec les yeux du surnaturel, nous voyons un halo, c'est-à-dire une petite lumière qui se tient là. C'est le Fils de Dieu. C'est le Logos. Amen. Frère Branham a dit, Dieu quitte de l'étape éternité. Maintenant, il se fait, alléluia, il se donne une forme. Il rentre dans le Logos. Amen. Il quitte l'étape éternité. Il descend. Frère Branham dit dans votre brochure qu'il était en train de se condenser. Condenser, je ne sais pas. Vous voyez, condenser, c'est quoi? Vous voyez ce gobelet? Condenser, c'est lorsque vous prenez un truc, vous mettez là-dedans. Amen. Vous êtes en train d'appuyer pour que ça puisse se finir. Alors, Frère Branham dit, il était en train de se condenser. Et là, nous voyons le Logos. Frère Branham a dit quoi? Je peux donc le voir jouer là, comme un petit enfant. Je vous ai dit, le prophète a la capacité de voir les choses que vous voulez, vous ne pouvez pas voir. Amen. Là, il le prouve. Il a dit, je peux donc le voir jouer là comme un petit enfant, devant la porte du Père, dans toute l'éternité. Voyez-vous? Alors, dans la conception de son plan, il commence à penser à la manière dont les choses devraient être. Quand il était encore à l'étape éternité, il ne pouvait pas créer en ce moment-là. Il a fallu qu'il change de forme, qu'il devienne le Logos. Frère Branham dit, le Logos, c'est le Fils. Et si vous prenez, remarquons, continuez un peu. Il dit, toujours dans la même brochure, il dit, et quand il lui dit cela, un atome éclata et le soleil vint à l'existence. Donc quand il est devenu le Logos, c'est là qu'il a commencé à créer. Amen. Amen. Là aussi, Moïse vient le prouver. Dans Genèse 1, verset 4, il dit, je vis que la lumière soit. Que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Là, Moïse maintenant est en train de parler ce que le Logos est en train de faire, c'est-à-dire créer. Branham nous dit avant qu'est-ce qu'il faisait, Moïse lui nous dit ce qu'il était en train de faire au commencement. Et maintenant, dans Colossiens au chapitre 1, verset 16, la Bible dit quoi? Car en lui, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Par qui? Le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le Logos. Amen. Maintenant, quand il était à l'étape éternité, Branham dit qu'il y avait les attributs en lui. Les attributs, c'est quoi? C'était le plan que Dieu avait en lui et qu'il voulait exprimer. Ce plan-là, c'était quoi? C'était de créer le monde. C'était de placer les animaux. C'était de placer les êtres humains. Tels que nous sommes là, nous étions dans la pensée de Dieu comme étant un plan, le programme de Dieu. Ce que Frère Branham nous dit, dans questions et réponses, il est dit ceci, prêché en 1959, au paragraphe 126, Frère Branham a dit, quelqu'un a dit, alors, pourquoi est-il eu pas de péché? S'il n'y avait jamais eu de péché, ses attributs de sauveur n'auraient jamais été manifestés. Il devait y avoir un pécheur pour qu'il puisse être un sauveur. Voilà, on nous montre, il était d'abord un sauveur avant la création de toutes choses. Et il a exprimé cet attribut de sauveur en créant l'homme. Amen. Il devait y avoir un homme malade pour qu'il puisse être un guérisseur. Amen. C'était des attributs qui étaient en lui. Et maintenant qu'il exprime au travers de la parole parlée. Voilà, me dit. Il devait en être ainsi. C'est Dieu qui avait vu cela et avait préordonné cela. C'est-à-dire, il avait déjà planifié toutes choses avant. Maintenant, avant que Dieu crée toutes choses, il était d'abord le grand esprit. On l'appelait Elohim. En lui, il y avait tous ses attributs.
quand il quitte l'étape au grand esprit, l'étape Elohim qui occupait tout l'espace, comme Frère Madame le dit, maintenant il prend la forme du Logos. Alors là, il s'est mis à créer. Quand nous prenons la brochure intitulée L'infaillibilité de la parole parlée, au paragraphe 15, Frère Madame dit quoi? Avant qu'elle soit la parole parlée, elle a dû être une pensée. Une parole est une pensée exprimée. Aussitôt que Dieu parle, eh bien, tout au début, quand Dieu a regardé à travers le corridor du ciel et qu'il a vu tout ce qui arriverait sur la terre, il dit, vous êtes vous-même assis et juste représentez cela dans votre esprit. C'est peut-être ici que Dieu l'a fait au commencement. Cela lui a paru bon. Il a donc prononcé cela. Et aussitôt que cela fut prononcé, cela devint une parole. La pensée a été exprimée dans une parole. L'infaillibilité de la parole de Dieu est que lorsque Dieu prononçait la parole, tout ce qu'il disait devait s'accomplir. Voilà comment s'exprimait l'infaillibilité de Dieu. Tout ce qu'il disait pendant qu'il créait devait absolument se réaliser. Il dit, donc pourquoi le Saint-Esprit prêché en 1959, le 17 décembre, au paragraphe 56. Rabbanam dit, remarquez bien, cet esprit sera tout aussi pieux et tout aussi moralisateur qu'il peut l'être. Jusqu'à ce qu'on arrive au Saint-Esprit, c'est là même qu'ils le retrancheront. Ne pouvez-vous pas le voir? Il s'élève, l'Antichrist. Jésus a dit qu'il serait tellement semblable dans les derniers jours que ça séduirait même les élus si c'était possible. Mais souvenez-vous, il n'y a rien que les élus qui le feront. Dieu appelle par élection. Vous n'êtes-vous pas heureux d'être l'un d'entre eux? N'êtes-vous pas heureux, vous ici ce soir, de savoir il y a dans votre cœur quelque chose qui tire. Je veux ce Saint-Esprit. Je te veux Seigneur. Dans mon cœur. C'est parce que Dieu a mis dans votre, a mis votre nom dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Amen. Vous êtes ensemble avec moi. Amen. Donc, Dieu, quand il est créé, il a placé votre nom dans le livre de l'agneau avant la fondation du monde. Amen. Un peu plus tard, nous allons comprendre pourquoi Dieu a fait cela. Dieu a basé toute chose sur la parole infaillible de Dieu. En effet, tout celui qui vient de Dieu, il possède aussi la même nature que Dieu. Amen. En l'occurrence, l'épouse de Christ, qui a reçu le message du temps de la fin, nous venons de Dieu. L'épouse possède et contient la même nature de Dieu. Abraham dit que Dieu a basé toutes choses sur sa parole. Si nous venons de Dieu, autrement dit, l'épouse aussi base sa foi sur la parole. Amen. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Frère Madame le confirme, dans l'expectative, prêché en 1953, je crois que c'est le 11 août, paragraphe 10. Maintenant, voici ce qu'il y a. J'aimerais que vous saisissiez ceci. Quelle est cette fondation, alléluia, sur laquelle vous pourriez placer votre foi et qui dépasse la parole? Sur quoi d'autre pouvez-vous placer votre foi alors qu'il a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas? La dame dit, Dieu lui-même a basé ça, alléluia, il a basé toutes choses sur sa parole. La dame dit en disant, c'est donc un fait que la parole de Dieu est éternelle. Et la terre même, sur la face de laquelle nous sommes assis ce soir, n'est rien d'autre que la parole de Dieu matérialisée. La terre dans laquelle nous vivons, c'est la parole de Dieu matérialisée. Et Dieu a basé toutes choses sur sa parole. Et l'épouse de Christ doit baser sa foi sur la parole. Autrement dit, chaque fois que vous avez une requête de prière, alléluia, pensez à la parole. Et prononcez la parole, Branham a dit, dès que vous faites cela, Dieu doit confirmer cela et la chose arrive. Car c'est
Alléluia. C'est donc un fait que la parole de Dieu est réelle. Et la terre même sur laquelle nous sommes assis ici, c'est la parole matérialisée de Dieu. Il a prononcé la parole et a dit que ceci soit, et la terre est venue à l'existence. Alléluia. Tout ce que vous voyez a été créé par la foi. Quand la parole parlait de Dieu, tout frère, sauf rien. Alléluia. Et aujourd'hui, l'épouse, Dieu a donné le pouvoir à l'épouse. La Bible dit, tout ce qui était en Dieu, il a déversé cela en Christ. Et tout ce qui est en Christ, il a déversé cela où? Mais quelle est cette église? Quelle est cette église? Ce n'est pas n'importe quelle église. Alléluia. Il faut une église de la révélation. Celle qui connaît son mari. La seule église qui connaît son époux, c'est l'épouse. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi? Remarquez ceci. Il dit, et ayant déjà goûté Dieu dans nos âmes et dans nos cœurs, combien plus devons-nous baser notre foi sur ce que Dieu nous a accordé comme promesse. Alléluia. Et sur ce pourquoi il a envoyé Jésus mourir, afin de nous racheter sur base de cette promesse. Maintenant, quand Dieu a créé le monde, il a créé toutes choses. Il a créé au travers de Moïse. Moïse avait écrit la Torah. Je crois que c'est Moïse qui l'avait écrit. Et un peu plus tard, avec la grâce de Dieu, la science et tout, les apôtres sont venus, ils ont écrit, tout ça a été rassemblé, et aujourd'hui on a la Bible. Est-ce qu'on a la Bible ici? On a la Bible ici. Hein? Oh, yeah. Vous voyez, ça c'est la Bible. Dans cette Bible, Dieu a placé les promesses. Amen. Amen. Il dit, toujours la même brochure, l'expectative, au paragraphe 10. Puis, je regarde, Simeon, le Saint-Esprit, lui avait révélé qu'il n'allait pas mourir. Amen. Dieu a donné la promesse à Simeon. Mon fils, tu ne mourras pas avant que tu puisses voir le fils de la promesse. C'était une promesse que Dieu avait donnée à Simeon. Cette promesse est dans la Bible. Quand tu fais Bruna, il dit, avant qu'il ait vu le Christ du Seigneur, il avait une base pour cela. La base de Simeon, c'était quoi? C'était la parole. Car Dieu avait parlé. Simeon savait, la parole de Dieu ne faillit jamais. Quand la promesse est sortie, il a basé sa foi sur ce que Dieu avait dit. Et cela a été mis dans la Bible. Aujourd'hui, alléluia, quand la sœur Nelly ouvre la Bible, elle lit cela, cette promesse la concerne aussi. Alléluia. Remarquez ceci. Comme madame a dit, il était sûr que cela allait arriver. Si meilleur était sûr, comme Dieu a parlé, il a basé sa foi sur la parole. Que cela est devait arriver. Et c'est arrivé. Alléluia. Maintenant, vraiment, on va dire ceci. Dans la brochure, le Gazan, la Sauterelle, le Gélec et le Asile, prêché en 1953, Branham a dit, ayez foi maintenant. Tout le monde, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a la foi en Dieu? Tout le monde, croyez de tout votre cœur. Faites comme Simeon. Il dit, très bien, madame, sommes-nous inconnus? Nous ne nous connaissons pas. Vraiment, il est en train de discerner les pensées. Il dit, vous avez reçu une carte. Il y a quelques minutes là, votre numéro a été appelé et vous êtes monté à l'estrade. C'est aussi loin que la vie. Il dit que si nous nous sommes vus ou nous nous connaissons, est-ce vrai? Alors, Dieu seul connaît votre cœur. Pas moi, mais vous êtes. Savez-vous quelque chose est prêt? Vous savez que l'Esprit du Seigneur, il dit, vous avez une chose étrange. Vous voulez avoir des enfants. Alléluia. Branham, en train de discerner les pensées. Dieu est descendu dans le prophète. Il montre à la femme
qu'il avait un désir profond dans son cœur. Voilà, me dit ceci. La profondeur rappelle la profondeur. Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Quand vous avez une profondeur en vous, la parole de Dieu est obligée de répondre à cette profondeur. Brenham a dit ceci. Vous voulez avoir des enfants, n'est-ce pas? Eh bien, Siméon était assis dans le temple. Enfin, voilà, maintenant, prends l'exemple de Siméon. Pour essayer d'augmenter la foi de cette sœur, il dit ceci. Siméon était assis dans le temple. Il dit, Seigneur, bénis. Il dit, oui, Élie. Seigneur, bénis Agar. Elle a enfanté un enfant. Vous êtes stérile. Approchez-vous juste un instant. Maintenant, frère Branham fait la prière pour cette soeur. Il dit, Père Céleste, en ce jour, si mauvais maintenant, voici une femme qui veut avoir un enfant. Bénis-la Dieu, comme tu as béni plusieurs centaines à travers le pays. Rétablis-la de cela et qu'elle embrasse le bien-aimé qu'elle désire. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Branham le dit en tout cas. Allez, recevez-le au nom de Jésus. Vous êtes ensemble avec moi. Cette femme a basé sa foi sur la promesse de la Bible. Quand elle a regardé dans la Bible, elle dit quoi la Bible? Il n'y aura pas de stérile de ma maison. Elle a basé sa foi dans la parole. Elle est venue à la campagne d'évangélisation. Frère Branham est descendu. L'Esprit de Dieu est descendu. Il lui a montré que cette femme voulait un enfant. Amen. Amen. Frère, quand vous venez à l'église, il faut que vous puissiez avoir un esprit bien disposé. Amen. Ne venez pas à l'église parce que votre église n'est pas propre. Ne venez pas à l'église parce que vous n'êtes pas nombreux. Ne venez pas à l'église parce qu'il y a un tel qui m'a emmené à l'église. Mais venez à l'église avec un esprit disposé. Un but, que j'ai un problème, une situation, que Dieu va me répondre. Même si moi je ne peux pas discerner vos pensées, mais la parole de Dieu peut discerner vos cœurs. Et vous parlez, vous dire ce dont vous avez besoin et vous le donnez au travers de votre foi. C'est la parole infaillible de Dieu. Comment on dit ceci? L'infaillibilité de la parole, la même brochure. Paragraphe 17. Je vais terminer, ne vous faites pas, je sais qu'il fait chaud. Alléluia, c'est bon, ça va? Ok. Alléluia. Ses actions, ses paroles, ses pensées, tout provient d'une source pure et sans mélange de la perfection. Maintenant, quand il ramène votre foi, alléluia. Amen. Oh, j'aime ça. Quand il ramène votre foi, qui ramène votre foi? C'est Dieu. Il dit, comme cela, la guérison devient simple. Alléluia. Quand Dieu prend votre foi, il l'amène à un niveau de l'eau. Il augmente votre foi. Il vous montre les promesses de la Bible. Amen. La Bible dit quoi? Que si vous demandez quelque chose à mon nom, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Quand vous écoutez cette parole de la promesse, cela augmente votre foi. Sur base de cela, si vous avez une situation particulière, peu importe la situation, mais quand la parole de Dieu est ici et vivante, vous permettez à ce que vous ayez la solution à votre problème. Bien aimé, votre foi doit être élevée. Amen. L'épouse doit avoir une foi élevée. Frère Branham dit, quand il prend votre foi comme cela, la guérison devient simple. Amen. Amen. Les miracles deviennent simples. Amen. L'épouse devrait être une épouse dans laquelle les miracles sont tous les jours. Amen. Bien aimé, Frère Branham dit, quand tu élèves votre foi, la guérison devient simple. Amen. Ça veut dire quoi? Peu importe votre requête, même si vous n'avez pas d'argent pour payer votre maison, même si vous n'avez pas de travail, même si vous voulez avoir un poste quelque part, devant Dieu, quand vous basez votre foi sur la parole, c'est une chose simple que Dieu peut vous accorder.
Est-ce que le Ghost Tabernacle est là? Amen. Est-ce que le Ghost Tabernacle est là? Amen. Croyez-vous que tout ce que vous avez dans votre cœur, c'est simple devant Dieu? Amen. Bien aimé, aucune requête, c'est Branham le confirme. Quand votre foi est élevée, peu importe que tous les sorciers de votre famille disent, tu ne mettras pas au monde, tu ne vas pas te marier. Mon ami, je vais te dire une chose. Ils ont échoué. Amen. Mes amis, peut-être au travail, on t'a dit, parce que tu es noir, et si c'est seulement les blancs, ce poste-là, on ne donne jamais cela aux noirs. Je vais te dire une chose. Nous avons le Dieu de Branham. Son rôle, c'est d'élever notre foi. Alors, dis à tes amis, ça, je l'aurai. Amen. 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 Permettez-moi que je boive un peu. Amen. Hallelujah. Amen. Ah, Joël. Je me laisse combien de minutes? Ah, tu me signes? Ok. Bien. Je laisse autre chose. Votre pasteur va continuer le reste pour gagner du temps. Frère, madame, je dis la même chose, je vais faire une fois de la parole. Au paragraphe 10, il dit, et s'il a dit qu'il était l'agneau immolé dès la fondation du monde, c'est au moment même où Dieu avait conçu la pensée. Alléluia. Et la pensée était créée par Dieu lui-même. Chaque fois que Dieu conçoit une pensée, écoutez bien mes amis, chaque fois que Dieu conçoit une pensée, c'est une création. Alléluia. Et quand il la prononce, elle devient une réalité. Mes amis, écoutez. Donc, chaque parole, alléluia, de cette Bible est la pensée créatrice proclamée de Dieu. Et chaque fois qu'elle est reçue, par qui? Par une bonne terre. Quelle est la bonne terre? C'est cette sœur, ce frère qui a reçu le message, dont la foi a été augmentée par la parole. Quand tu reçois la parole, cela devient une réalité. Et aujourd'hui, laissez-moi vous dire une chose. Peu importe le problème que vous avez, pendant que votre pasteur va venir ici, pour vous conduire en prière, tout ce que vous avez besoin, aujourd'hui, je vais vous le donner, car c'est la parole infaillible de Dieu. Amen. 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 Maintenant, pour terminer, vous savez, oh, il y a beaucoup de choses, mais avec le temps, je vais laisser au pasteur le monde de continuer. Frère Branham dit ceci. Ce message a un but précis. Il y a des nouveaux dans la salle? Ok. Parce que ceci va concerner les nouveaux. Alléluia. Frère Branham dit ceci. Ce message a un but. Ce but, ce n'est pas de rester sur la terre. Amen. 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 Ce but, ce n'est pas de continuer de venir à l'église. Amen. Non, 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 mes amis. Il y aura un jour, les portes de ce tabernacle seront fermées. Amen. Il y aura un jour. La soeur, rappelez-moi ton nom, c'est quoi? Maman Lisette. Maman Lisette, il y aura un jour, tu ne vas plus conduire pour venir à l'église. Amen. Il y aura un jour, tout ce que vous voyez là ne sera plus permis. Alors, maintenant, vous venez ici parce qu'il y a un but que le frère Joël est en train d'accomplir. Quel est ce but? C'est le même but que frère Branham a laissé. Et c'est le même but aussi pour lequel je me tiens ici. Ce but-là, nous allons le lire tout à l'heure. Dans la prochaine intitulée, nous voudrions voir Jésus. Alléluia. Prêchez au paragraphe. Notez ceci, c'est très important. Allez lire ceci à la maison, c'est très important. Nous voudrions voir Jésus prêché en 1962, le 12 juillet, au paragraphe 84. Je réponds. Nous voudrions voir Jésus. Pas monsieur, nous voudrions voir Jésus, mais seulement nous voudrions voir Jésus. Prêché en 1962, le 12 juillet. Écoutez ceci, mes amis.
le but pour lequel nous sommes ici et le but pour lequel nous croyons ce message. Madame a dit, messieurs, nous voudrions voir Jésus. En plus, que se passera-t-il si un homme entrait ici avec du sang lui coulant dessus, avec des empreintes, des clous et tout le reste? Jésus, alléluia, j'aime ça. Lorsqu'il viendra, tout œil levera, tout genou fléchira et toute langue confessera. Lorsque le corps de Jésus retournera, le corps de Jésus fera quoi? Le corps de Jésus fera quoi? Je crois dans sa venue littérale. Un corps physique descendant des cieux. Alléluia! Avec un cri, avec la voix de l'archange et la trompette de Dieu. Les morts en Christ ressusciteront. Mais son esprit est ici avec nous. Alléluia. Son esprit, Branham a dit, avant l'enlèvement, avant que Christ ne revienne, avant la résurrection, son esprit doit d'abord revenir sur l'église. Amen. Et comme l'église, de la même manière, la pyramide arrive à un point, comme celui qu'avait atteint l'église au jour de Luther, au jour de Wesley, au jour de Pentecôtistes. Maintenant, juste avant la venue de la pierre de fête, entre elles, cette église doit être parfaitement affûtée au point que le même ministère qu'il avait exercé ici, son esprit, le même esprit aura une telle prééminence qu'il introduira ce corps carrément là-dedans et ressuscitera le corps tout entier. Amen. Mes amis, là le but pour lequel nous sommes ici, parce que nous nous préparons à un enlèvement. La parole parlée de Dieu a promis que Christ doit venir. Amen. Nous serons enlevés. Amen. Comme la parole de Dieu ne faillit jamais, nous serons enlevés. Amen. Mais avant d'être enlevés, frère Branham dit, je nous envoie d'abord son esprit. Amen. Et quand son esprit dans l'église, ce n'est pas pour être un spectateur. Amen. Mais c'est pour répondre à vos besoins. Amen. C'est pour vous donner la solution à toutes vos quêtes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Let's applaud for the Lord. Let's applaud for the Lord. Amen. The word never fails. It's the unfailing word of God. That is the most important message. The word of God cannot pass away. Heaven and earth will pass away, but His word will never pass away. Are you with me? Amen. It will never pass away. Amen. Amen. How does God do to you? Brother Branham says, faith is a revelation. Amen. Are you listening to me? Amen. Faith is a revelation. Amen. Amen. God gives you a revelation of the word. And when you hold on to it, it's finished. God has to reveal to you His word. Amen. When He reveals to you His word, then you can understand and you have more faith. Amen. If God did not show Abel the blood of the lamb, he was not going to have faith. Are you with me? God has to show you something. God has to give you something. And what He gives you on the basis of the word, that is what is faith. Faith is a revelation. And the word of God is a revelation to you. So you will understand. Do you know your life? Each and every person's life is written in the Bible. Amen. There's somebody that needed God to answer them on a certain day. Someone in the Bible. And God allow you to know it. So that when your time comes, you read it, you say, if there was somebody that prayed to God yesterday, and God did it today in his time, because it's the same yesterday, today,
And forever, he's going to do the same thing again. Amen. If God did something yesterday, he has to do it today. Amen. 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 Otherwise, he's not the same God. Amen. The prophet said, if he did something yesterday and he cannot do it today, we have to kick him out of the church. Amen. Are you listening to me? I don't want a God that healed yesterday and cannot heal today. Amen. A God that resurrected yesterday and cannot give resurrection today. Amen. Amen. If it's the same God and they bring him a dead body like he did yesterday, he's going to do it today. Amen. 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 And that's the God we have. So take that and hold it. Have the revelation that if he did something for somebody yesterday, he will do it for you today. Amen. If he did something for somebody in the Bible, if someone approached him and said, oh God, like David, I come before you, have mercy on me. And God heard his prayer. That means you too, he can hear your prayer. Amen. 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 And I know that he can hear your prayer. Amen. Let us stand on our feet. Ah, sorry, now.